Bonjour et merci de nous retrouver pour ce dernier dimanche de l'année. Nous avons la joie de terminer 2018 avec ce film exceptionnel sur la cérémonie de Kalachakra dont nous vous avons proposé un premier extrait la semaine dernière. Tourné en Inde, près de sa sainteté, le Dalai Lama, entre son monastère de Dharamsala et le site de Bodh Gaya, ce film décrit le rituel millénaire de 3 jours précédé d'un enseignement de 7 jours qui prépare et purifie ceux qui vont recevoir l'initiation, en l'occurrence 400 000 moines et pèlerins. Si le Dalai Lama a accepté les caméras pour cette cérémonie, c'est pour qu'elle soit vue par le plus grand nombre, car elle est initiation à la paix dans le monde. Voici le deuxième extrait du film « Kalachakra, l'éveil », réalisé par Nathalie Fuchs. Cup to do, Pedger, Nolo, Judo Isare, or to do in Tungoaze, Tambushubre. Chirtan to do Halevig, the Sungjo Kombuchi, Betin Maniago Kombuchi, Ketchambuchi, and Sungjo Shuabi, Coco Rabare, Samaji, Tawa Haleve, G. Ganantan, Gibe Tawatan, G. Kombuchi, Susalia, the Ravaji, Tawa Yungu. On a besoin de créer, par exemple, beaucoup d'énergie positive et spirituelle pour pouvoir faire un travail de purification. Bonjour. Bonjour. Ça
Je Nous sommes aux portes du mandala, de mon palais. Réaffirmez vos engagements à atteindre le parfait éveil pour le bien de tous les êtres. Vous allez maintenant lever les voiles de l'ignorance qui recouvre votre mental non purifié. Anga Nero da Gari Nihong Pes. Oh, the Ram of the Jingshua. Janda Jingshua. Rishiva, the Jingo Song, Tongo Miro in the Zane, any Mita Shinya Shet. Then, Medoga Choi, Rea Usun Never Babas, Akam Bera Hong. Migder, Jungsej Patus. Purifié. Vous entrez alors les yeux ouverts dans ma cité suprême de la Grande Libération, c'est-à-dire mon mandala à 5 étages constitué d'un centre, d'une périphérie et des 4 portes dont les couleurs sont associées aux directions cardinales et à mes 4 visages. Le mandala contient 722 divinités. Nous entrons dans le mandala du corps, ensuite dans le mandala de la parole, puis dans le mandala de l'esprit qui contient le mandala de la sagesse, pour atteindre le mandala de la félicité, où je trône en union avec ma parèdre, mon principe féminin. Vous êtes entré dans le mandala du corps. Vous êtes semblable à des nouveau-nés et pouvez désormais recevoir les 7 initiations analogues aux événements de l'enfance. Tout d'abord, procédons à l'initiation de l'eau, qui symbolise le premier bain que donne la mère aux nouveau-nés. Vient l'initiation de la couronne, qui correspond à la première coupe de cheveux d'un enfant. L'initiation des rubans de soie correspond au processus de formation de l'embryon dans la matrice. L'initiation du vajra et de la clochette correspond au moment où l'enfant commence à rire et à articuler des sons pour lui donner la capacité de réaliser dans le futur la parole éveillée d'un Bouddha. Dans les 3 dernières initiations, celle de la conduite correspond au premier plaisir que prend l'enfant dans les objets des sens. L'initiation du nom correspond au nom que reçoit l'enfant. Enfin, l'initiation de la permission correspond à la première leçon de lecture de l'enfant.
concluons avec l'initiation du maître Vajra, transmise au moyen du vase d'initiation, symbolisant l'accomplissement et l'indifférenciation du corps, de la parole et de l'esprit en une saveur unique. Je suis Kalachakra. Je suis le non-temps qui englobe les trois temps passé, présent et futur. Il n'y a ni début, ni fin. Naître et mourir, le commencement et la fin sont opposés en apparence. Cependant, il y a continuité. Combattez l'ignorance. Cultivez votre esprit d'éveil. Je souhaite que vous deveniez tous des Bouddhas. Je veille à cela. Avant de nous quitter, voici quelques suggestions de documentation sur le sujet. Tout d'abord, l'initiation de Kalachakra par sa sainteté le Dalai Lama, présentée par Sophia Strilrever, édition des Clés de Brouwer, et le calendrier tibétain 2019, paru chez Médicis. C'est la fin de l'émission. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur francetv.fr, le site vidéo de France Télévisions. Merci de nous avoir été fidèles toute cette année 2018. L'Union bouddhiste de France ainsi que toute l'équipe de Sagesse bouddhiste vous souhaite une très belle et joyeuse fin d'année et vous donne rendez-vous en 2019 dès la semaine prochaine. Merci.